palais des saveurs. Aujourd'hui, je vous montre comment on peut cuisiner un chou en accompagnement d'une viande, d'un poisson, etc., etc. Dans une casserole, je cuis mon beurre avec les lardons fumés, l'oignon, le demi-oignon émincé ou l'échalote, ainsi que les carottes en rondelles. Je cuis pendant 7 minutes environ. Je coupe mon chou en deux, puis en quatre, et enfin en huit. Je retire le trognon central. Au bout des 7 minutes de cuisson, j'ajoute mes baies de genièvre, les quartiers de chou ainsi que l'ail. J'ajoute ensuite le sel, le beurre restant, c'est-à-dire 40 g supplémentaires. Je couvre avec un couvercle et je cuis 10 minutes. Au bout des 10 minutes de cuisson, je peux enfin mélanger tous mes ingrédients dans la casserole. Je verse alors ensuite le vin blanc, le Riesling. Puis je porte à ébullition pendant 3 minutes. Donc au bout des 3 minutes, je couvre de nouveau. Je baisse le feu et je cuis 40 minutes. Voilà une recette très facile à réaliser, un peu longue mais ça cuit tout seul, on s'occupe de rien. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.